voudrais pas aller assez tôt du matin, parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien, qu'il préfère s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof en merde. Il fait sans ambition, un deck en sciences humaines, un peu à reculons sans trop se donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Il a pignaise pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume, c'est son équipe d'impro ou les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Mais TQ est pas un con, c'est bien que pour être heureux, faut vivre pour ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? TQ va tenter ta chance et mettre ton chemin dans la vie. Parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Ta petite histoire. Et y'a son grand frère, un genre d'insignifiant vendeur de cellulaire, qui pense qu'à l'argent, qui lui dit cette valeur. T'auras jamais d'ouvrage, parce que devenir acteur, c'est péter des nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions. Oui, à l'entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul s'en balance, il sait que les gens bornés veulent masquer leur impuissance en essayant d'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mets ton chemin dans la vie. Parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Une chance que sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend, il sait qu'il y a du talent. Elle lui dit s'accrocher, continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire. Et qu'il y a toujours l'option, même si c'est en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain il va tout abandonner, et aux diables les crétins qui veulent pas l'encourager. Parce qu'il sait que le vrai plaisir au fond c'est de pas savoir comment qu'elle va finir sa petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre, pour le reste il s'en fout ben, t'y cueille à demain.